Oui, je suis très inquiet devant la situation qui est en train de se développer au Moyen-Orient, en Israël, où on voit tout jeunes individus poignardés à coups de couteau, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, utiliser les voitures béliers, jeter des pierres. Cette haine systématique est en train de se répandre et très inquiétante parce que c'est une haine aveugle qui n'épargne personne et qui est visiblement motivée par une éducation calamiteuse où à l'école on a enseigné la haine des juifs, où les parents font de même. Et en plus, il y a ce phénomène islamisme où au nom d'Allah, on se veut martyr et on veut tuer le juif parce que juif. Alors oui, il y a de quoi être inquiet. Je suis inquiet pour le peuple israélien qui souffre aujourd'hui des conditions terribles, mais je suis inquiet aussi pour tous les Occidentaux parce que ce phénomène est un phénomène mondial. On l'a vu en France, on l'a vu dans d'autres pays, et donc oui, il faut être inquiet, il faut espérer que finalement la raison l'emportera et que les prêcheurs de haine disparaîtront ou en tout cas seront calmés, seront motivés pour revenir à la raison. Oui, il y a de quoi être inquiet.